Tout le monde, c'est Dessy, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Retour de Brocante. Donc on va tout de suite commencer. Bon, là je pense que vous l'avez vu, hein, il y a vraiment un tas qui est plus gros que l'autre. Donc c'est celui-là. Donc on va le garder pour la fin parce que ça c'est le plus intéressant en fait. On va commencer par le petit. Donc en fait, ces cartes-là, mince, j'ai shooté dans le deuxième. Pas que je les abîme. Donc en fait, qu'est-ce que je vous disais Oui, donc en fait, celle-là, donc là, les petites cartes qu'on a juste là. Donc en fait, on les a eues dans des lots. Donc c'était des lots de 10 cartes ou 11 cartes, je sais plus. Donc qu'on a regroupé juste là. Donc ça, c'est celles qui sont sans intérêt, quoi. Donc du coup, voilà. Donc elles sont juste ici. On a pris les plus intéressantes. Donc on va tout de suite commencer. Je vais essayer de faire assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Donc ici, on a une petite Dialga. Bon... elle faisait partie d'un lot et je crois qu'il y en avait encore une autre qui était avec. Donc c'est une rare hein, pour la Dialga, j'ai oublié de le dire. Donc ici on a une petite Latios qui a bien morflé là sur le dessus. Donc qui est aussi une rare. Là on a une petite carte dresseur, je vais essayer de me reculer pour vous. J'ai le deuxième tas là qui me gêne, il faut que je le pousse. Voilà, parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc là, ici, on a une carte dresseur donc de fossiles en édition 1. Bon, je pourrais pas vous dire toutes les séries parce qu'il faut vraiment que je fasse vite. Il y a tellement de cartes et il faut pas non plus que la vidéo elle fasse 3 heures. Donc ça risque d'être assez ennuyeux pour vous sinon. Donc là, on a une petite carte. Donc celle-là, elle doit être de 2002. C'est vraiment dommage pour l'état. Parce qu'en fait, elle a dû prendre l'eau, je pense. Parce que là, elle est toute gondolée, elle a perdu toutes ses couleurs et tout. Enfin, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment des séries au niveau de 2002 qui sont vraiment super intéressantes. C'est vraiment trop, trop, trop dommage. Donc là, ici, on a une petite gros doudou en reverse. Là, on a une Mentali. Celle-là, d'ailleurs, donc il y a toutes les évolutions d'Evoli qui sont holographiques comme ça, qui sont vraiment magnifiques. Qui faisait partie d'un coffret. On les a toutes. Elles sont vraiment mais trop, trop, trop belles. Là, c'est une petite Nenupio. Normalement, c'est du McDo. Je vois pas le truc. Ouais, ça c'est du McDo, ça. Elles sont aussi très, très jolies. Les cartes de McDo. Là, pareil, on a la Starry. C'est aussi du McDo. Elles sont vraiment magnifiques, ces cartes. Là, c'est la Fennec. Et juste après, ouais, celle-là, c'était la Baggy Gwen. Pas très bien centré moi. Et juste après, donc on a une superbe carte, donc la Raikou. Elle est vraiment trop 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 jolie. Moi j'adore au niveau des couleurs, là, les reflets qu'elle donne, c'est trop trop beau. Bon, je vous le redis, hein, je dis pas au niveau des séries, etc. Parce que sinon ça prend vraiment trop de temps. Donc là on a la Sulfura qui est aussi holographique. Elle est aussi superbe. Et là, on a une petite Tartipousse. Donc ça, par contre, ça, c'est du diamant et perle. Elle est vraiment canon. Et en plus, au niveau de l'état, bah, elle est pas dégueulasse, quoi. Bon, elle a ses petits trucs, là, ici. Mais bon, ça va. Franchement, pour le temps qu'elle date, honnêtement, ça va. Donc là, on va tout de suite enchaîner donc, avec le deuxième paquet. Donc, je vais pousser ça. On va faire un peu de place, parce que sinon, ça va pas aller. Et on va commencer avec une petite Wistikram. Ah oui, il y a une question qu'on s'était posée en fait avec Chaos au niveau de cette Wistikram. Peut-être que vous saurez. Si jamais Ah, je bug. Ça m'énerve. Donc si jamais vous connaissez la réponse, vous pouvez toujours nous le dire en fait en commentaire. Parce qu'en fait, on s'était dit, parce que vu le chiffre qu'elle a, et... normalement, elle ne devrait pas être holographique, celle-là. Parce qu'en fait, on la connaît et normalement, elle ne l'est pas dans cette collection. Donc, c'est la 76 sur 130. Par contre, je ne sais plus la série. Là, j'ai un blanc. Et normalement, elle ne devrait pas être holo. Donc, on s'est dit peut-être qu'en fait, elle faisait partie, vous savez, d'un pack ou quelque chose. Et donc, du coup, bah, que ce serait éventuellement une promo, quoi. Donc voilà, on s'était posé la question. Donc si jamais vous le savez, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous intéresse.
Et donc là maintenant, on a une petite Libégon qui est vraiment trop trop belle. Elle a des couleurs mais superbes quoi, là au niveau du vert et tout qui ressort. Trop trop beau. Bon pareil, elle a aussi des petits pets. Bon de toute façon, elles en ont à peu près toutes en général. Hein, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc là, en fait, là les cartes que vous voyez, donc là du deuxième paquet, donc on les a eues toutes chez la même personne. Et en fait, il nous a offert trois cartes. Donc là, les trois que vous allez voir, les trois prochaines, donc c'est celles qui nous ont été offertes. Bon, elles ont morflé évidemment, mais franchement, c'est quand même sympa de les avoir offertes, quoi. Je pense pas que tout le monde l'aurait fait. Donc là, ici, vous avez une petite Régis en EX qui est aussi très mignonne. Bon, elle a eu des pliures, la pauvre. Mais elle est vraiment mignonne. Et là, on a une petite Kabutops EX. Qui a morflé là sur le côté. Et là, c'est la Volcaropode. Ah oui, j'ai pas cadré en fait. J'essaye de m'améliorer, hein, mais bon, c'est pas encore ça en fait. Ouais, ça j'adore. Franchement, là, comment que ça ressort, c'est trop magnifique. Elle est vraiment superbe. Même si elle a pris des coups, franchement, ça n'enlève pas le charme de la carte. Et ouais, donc voilà, donc ça c'était les trois qui nous ont été offertes. Le gars était super sympa avec nous. Et donc là, maintenant, on a la Galley King EX. Qui est aussi très très belle. Je sais pas si vous voyez bien en fait à la caméra, mais si les couleurs elles ressortent bien, la brillance, tout ça. Mais franchement, elles sont canon. Donc là, c'est Electrode EX qui a eu une pliure. Si vous le voyez là. Bon, le dos, on le voit un petit peu. Bon, ça va, ça passe encore. On le voit pas trop, en fait, à la caméra. Et là, donc, on a une Rafflesia. Elle, par contre, elle a pas de pliure. Elle est pas mal. Elle a pris surtout, en fait, c'est sur les côtés. Là, vous le voyez ici, et puis là. Et ensuite, donc, on a une Cresselia, qui est trop belle. Elle est superbe. Faut vraiment que je fasse des efforts moi sur le cadrage, c'est dingue. J'ai trop du mal moi avec ça. Donc là, c'est Lanturne. Celle-là par contre, je me demande si on ne l'avait pas déjà. Il me semble qu'on l'avait. Faut qu'on vérifie avec des bébés. Je rebug. C'est ça de se lever à 5h à 5h du matin pour les brocantes. Après on n'est pas en forme. Et maintenant, donc c'est Absol. Donc celui-là, par contre, on a vraiment eu un gros coup de cœur pour cette carte parce qu'elle est trop, trop, trop belle. Elle est juste sublime. Je vous la remontre. Elle est vraiment mais magnifique. C'est une trop, trop jolie carte. Et là, on a la Gardevoir. Celle-là aussi, on était vraiment content de pouvoir tomber dessus. Pareil, au niveau de l'état, elle est... vraiment coucou. Pas mal. Non, mais tu veux pas me faire ça en pleine vidéo. Tu veux continuer, je pars tout de suite. Mais oui, mais putain, l'enfoiré. Mais non, mais... Bon, tu te dépêches. Oui, pardon. C'est parce qu'il va prendre sa douche. Allez, dépêche-toi, prends tes fringues. Oh, yeah. Voilà, bye bye. Salut. Allez, va-t'en, ferme la porte. Hop. Punaise. Merde. Mais si maintenant je fais tout tomber, ça va pas le faire. Je suis en train de faire tomber les trucs à côté. Bon. On va reprendre. Normalement, on sera plus interrompu. Hein. Donc, je disais, donc là maintenant, on a la Gardevoir. Ça y est, je suis perturbée. Je m'attendais pas. L'enfoiré. C'est pas grave. Donc maintenant on a la Roi Gada qui malheureusement elle par contre a une rayure là, si vous voyez là juste ici elle a une petite rayure, on le voit à la brillance là. C'est vraiment dommage parce que sinon elle était pas mal au niveau de l'état en fait, elle était vraiment pas mal, bon juste là quoi, mais sinon en fait ça allait. Et donc là maintenant on a la Yamega qui est aussi vraiment superbe. J'aime bien le rose là qui ressort comme ça avec le vert, c'est trop canon. Et maintenant on a l'Hyporoi, celle-là aussi je crois qu'on l'a déjà.
Il me semble. Je crois même que c'était moi qui étais tombée dessus. Ou c'était Chaos, je sais plus. Peut-être... Non, je crois que c'était moi quand même. Et donc maintenant, on a encore une Absol qui est aussi trop belle. Je vous la montre aussi un peu plus près. Bon, je l'ai pas fait avec les autres, mais bon, ça fait rien. Et maintenant, on a une petite Celebi. Celle-là, normalement, on ne l'a pas. Donc, bon, en attendant, elle ira quand même dans la collection parce que son état est assez bon quand même. Même très bon, j'ai envie de dire. Non, bon, là, un petit peu, en fait, sur le bas. Là, sur le coin. Merde, je suis désolée. je viens de shooter dans la caméra. C'est terrible. Ça doit être la deuxième fois que ça m'arrive, au moins, ce truc. Ça m'énerve, j'ai pas de place. Je suis juste sur un tout petit bout du bureau. Donc du coup, je manque d'espace. Donc je disais, donc là, on a donc cette petite Celebi qui est vraiment trop chou. Et maintenant, on passe à Alligator. Et si je dis pas de conneries, c'est une promo. Je regarde, c'était celle-là, la carte promo. D'ailleurs, on n'avait même pas fait attention en la prenant. C'était une fois dans la voiture, on a fait « Ah mince, mais en fait, c'est une promo !» Mais bon, c'est pas... en fait, c'est pas grave parce qu'on ne l'avait pas du tout. Donc au final, on est content. Donc pareil, elle est vraiment trop belle. Et maintenant, on a une petite Jirachi EX. Celle-là, c'est la même chose. Normalement, on ne l'avait pas. Et ensuite, on a Registeel EX. Alors celle-là, par contre, avec Chaos, quand on était sur le marché Opus, on ne savait plus du tout mais de quelle série c'était. Donc si vous le savez, bah, vous pouvez nous le dire. Ce serait sympa. Parce qu'on ne se rappelait vraiment plus. Là, c'était le blanc, mais total. Et là, on a une petite Entei EX qui est vraiment mais trop belle. Pareil, on avait aussi flashé sur cette carte. Parce qu'elle est magnifique. Et là, on a une carte dresseur donc qui est Bianca. Pareil, celle-là, on ne l'avait pas non plus. Et maintenant, on a Celebi EX qui est pas mal du tout d'ailleurs au niveau de l'état. Je viens de le revoir. Ah non! Je vous dis une connerie, c'était à cause des reflets, du coup je le voyais pas en fait. Mais non, là en fait elle a pris un petit peu. Bon, ça va. Et je crois, ouais, c'est la dernière, donc celle-là, donc c'est la Shaymin, donc EX. Et qui elle par contre au niveau de l'état, parce qu'on l'avait tout de suite regardé, qui elle par contre au niveau de l'état est vraiment pas mal. Et surtout quand tu connais le prix de la carte, ben, c'est plutôt cool. Donc voilà, donc elle est vraiment toute mignonne. Toute youpi. Donc du coup, voilà, donc bah c'était vraiment un chouette retour de brocante. On s'est levé à 5h, mais là, ça valait vraiment le coup. On n'est pas parti pour rien, quoi. Donc, et en plus, c'était sous la pluie. Donc on a juste eu le temps de les trouver. Parce qu'après, bah, il pleuvait vraiment de plus en plus. Et donc, du coup, bah, au niveau des stands, bah, c'est pas terrible, quoi. Les cartes, elles ont le temps, disons, de prendre l'eau, t'as l'humidité et tout. Enfin, c'est vraiment pas cool. Puis en plus, il y a beaucoup de gens qui ne bâchent pas, en fait. Donc du coup, bah, ça abîme vraiment les cartes. Mais heureusement, après, on n'en a pas revu. Donc, on était assez contents de se dire, bon, au moins, t'as pas de cartes qui auront pu prendre l'eau. Donc on était assez content là-dessus. Mais ouais, franchement, c'était un super retour de brocante. On était mais trop content. Je sais même pas combien de cartes est-ce qu'on a pu avoir. Bon, je compte pas le premier paquet que je vous ai montré, mais attendez. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ouais, non, on va dire 23, on va pas compter la Rusticram. Mais ouais, franchement, je suis pas sûre qu'on ait eu autant de cartes, enfin je veux dire, autant d'ultra comme ça sur un retour de brocante. Je crois même que ça doit être la première fois qu'on en a autant. On en a déjà trouvé, ça c'est pas le problème, mais autant d'un bloc, non. Non. Puis bon, même s'il y en a certaines qui sont, disons, plus ou moins éclatées, surtout celles qu'en fait le mec nous avait offertes,
Bon, je veux dire, franchement, le reste au niveau des états, c'est franchement relativement correct. Tu peux rien dire parce qu'il y a des cartes, souvent, sur les brocantes, tu les vois bien plus éclatées que ça. Donc, sur ça, on est vraiment contents. Surtout pour la chemine qui est en excellent état. Vraiment, mais super. Elle a peut-être un point blanc ou deux, mais pas plus, quoi. Donc voilà, franchement, on était mais super, super contents de ce retour. Et on regrette vraiment pas de s'être relevé, même si on est parti avec la pluie. Mais là, au moins, ben, comme on dit, on est revenu avec le sourire, quoi. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et normalement, si je dis pas de bêtises, demain, vous aurez la suite donc, du display Origine Antique. Donc normalement, ce sera la quatrième partie. Si je me trompe pas, si mon souvenir est bon. Donc oui, parce que normalement, j'aurais dû vous la faire hier. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Donc du coup, je vous la fais un petit peu en retard. Je suis désolée. Je sais qu'il y en a qui l'attendent et qui l'ont réclamé. Donc vous inquiétez pas, vous l'aurez normalement demain. Et bon, bah voilà, j'espère quand même que le retour de Brocante vous aura vraiment plu. En tout cas, nous, on était super, super contents. Donc voilà, donc on se retrouve demain. Et puis bah surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et puis à vous abonner à la chaîne. Voilà, à la prochaine, bye.